Voilà ce qui arrive. Bouge tes oreilles, Glantis. C'était quoi? La ligne pointillée, Glantis. Mira, pas de blague, matelot. Et tu peux parler, toi, t'as pas de poumons. Hé, tu as bien vécu un moment sans ton cœur. Tu peux te retenir un peu de respirer. Juste le temps que j'analyse la situation. Attention, capitaine, dans les profondeurs les plus sombres de la mer, des lamentations, vivent des monstres horribles. Les insatiables démons des grandes profondeurs t'avaleront dès que tu quitteras ce halo de lumière. Suis mon conseil. C'est bon, je me arrête de parler avec cette voix qui me glace les os. En voilà un maintenant. Amigo! Hey, je te parle! Bon, ce n'était peut-être pas un monstre marin, mais j'ai eu les jetons! J'étais une fois de plus laissé tomber. Amigo! Ah, qui? Mon Dieu! Encore une épave! Vous voyez? C'est... On a eu des ennuis. Vous croyez pouvoir nous aider? Ça dépend du genre d'aide que vous recherchez. Pourrait-on emprunter un peu votre lanterne? Désolé, mais je ne m'en sépare jamais!
Pouvez-vous nous conduire à la Perle ? Ah ! Vous ne croyez tout de même pas à ce genre d'histoire ? Vous pensez que quelque part dans l'océan, il y a une perle géante qui brille si fort que les bateaux peuvent la voir et que parfois, les marins envoûtés par son éclat se jettent par-dessus bord pour aller la chercher et qu'on ne les revoit plus jamais ? Oui, je crois que c'est par là. Bah ! Je traverse cet océan depuis des années et je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'on peut vous suivre ? La route risque d'être longue, vous savez. Nous n'avons pas d'autre choix. Bon, d'accord. Levez ses genoux, suivez ma lanterne et essayez de chanter juste. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Qui flamboie, qui flamboie. Qui flamboie, la cacher sous un tas d'algues. Non, car il faut qu'elle flamboie. La cacher sous un tas d'algues. Non, car il faut qu'elle flamboie. La cacher sous un tas d'algues. Non, car il faut qu'elle flamboie. Qu'elle flamboie, qu'elle flamboie, qu'elle flamboie. Hors de ma vue, monstre marin. Car il faut qu'elle flamboie. Hors de ma vue, monstre marin. Car il faut qu'elle flamboie. Hors de ma vue, monstre marin. Car il faut qu'elle flamboie. Car il faut qu'elle flamboie. Car il faut qu'elle flamboie. Quel flamboie, quel flamboie, quel flamboie. Je ne te laisserai pas la toucher. Non, car il faut qu'elle flamboie. Je ne te laisserai pas la toucher. Non, car il faut qu'elle flamboie. Je ne te laisserai pas la toucher. Non, car il faut qu'elle flamboie. Quel flamboie, quel flamboie, quel flamboie, flamboie. J'ai bien cru que c'était notre bateau. L'océan a plus d'un tour dans son sac. Fister, au bout d'un moment, tout finit par se ressembler et on tourne en rond. Ce n'est pas du tout le genre d'aventure que j'espérais. Disons que la randonnée maritime n'est pas pour tout le monde. Je vous assure, cette perle est par là. Mais pauvre idiot, c'est la lune! Vous n'êtes quand même pas venu jusqu'ici pour essayer de pêcher la lune. Vous pouvez appeler de l'aide? Bien sûr! Je vous promets de le faire dès que je trouve une cabine téléphonique. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Eh bien, comment vous expliquer ça? Je n'ai pas toujours eu cette couleur. Qu'est-ce que vous faites là ? J'essaie de m'évader du pays des morts, quelle question ! Pourquoi marchez-vous au lieu de prendre un bateau ? J'en avais marre d'attendre un bateau à Rubalcava. J'ai pensé que ce serait mieux de cette façon. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Vous êtes sûr que tout va bien avec vos sourcils ? C'est des bernaches, fiston ! Je ne me déplace pas assez rapidement pour m'en débarrasser. Mais ça ne me fait rien, elles me tiennent compagnie. C'est cocasse, non ? Comment avez-vous fait pour que votre lampe reste allumée ? J'ai trouvé un de ces coraux qui luisent dans la nuit. C'est incroyable ! Ça luit comme un verre luisant et ça ne s'éteint jamais. J'en ai eu un aussi et j'en ai fait un superbe grappin. Ce n'était pas un pareil. Vous ne pouvez pas avoir été à l'endroit où je l'ai trouvé. Vous auriez dû atteindre la côte depuis longtemps. Traverser l'océan n'est pas une mince affaire, vous n'avez pas idée. Je l'ai déjà fait, mais en bateau. Un bateau ? Ne me parlez pas de bateau. Qu'avez-vous contre les bateaux ? Le nôtre était si chouette. Bateau ! Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Quand on a une bonne paire de jambes, il faut s'en servir, non ? Vous avez peut-être péri dans un naufrage. Si seulement ça avait été le cas. Non, ce qui nous arrive à fut bien pire. Des semaines qu'on est resté sur ce rafio pourri, sans vivre et sous un soleil de plomb. Nous avions commencé à jeter les morts par-dessus bord, mais les requins nous suivaient. Comment ça s'est terminé ? De mon aventure, j'ai retenu trois leçons très utiles. Ne jamais prendre le bateau. Pour ce qui est de la navigation, ne se fiez qu'à la lune et aux étoiles. Et quand vous n'êtes plus que deux, surtout, surtout ne jamais s'endormir.
Où avez-vous trouvé ce corail ? Au bord du monde ! C'est le seul endroit où il pousse ! Comment savez-vous où vous allez ? Vous voyez la lune là-bas ? Je la conserve toujours sur ma droite. Comme ça, je suis sûr d'aller droit. Mais c'est un vieux truc de marin. Bon, je ne voudrais pas vous couper dans votre élan. À une prochaine fois ! Méfiez-vous des monstres marins ? Ces monstres-là ? Ah, ils ne s'attaqueraient pas à Chepito. Je suis trop brillant pour eux. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Je ne prends pas ça. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Oh, arrêtez! Au secours! Au secours! Au secours! Trouvez-vous une autre lampe? Plus personne ne respecte le code de la mer. Ces monstres-là ? Ah, ils ne s'attaqueraient pas à Chepito ! Je suis trop brillant pour eux ! Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça ? Suis-moi. Où est-ce que vous m'emmenez ? Sur la lune. Manissez. La perle ! Youpi ! Je savais que je la trouverais ! Je suis riche, 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 riche ! Chut, il se passe quelque chose. Mani, que se passe-t-il ? J'en sais rien, mais je n'aime pas la façon dont cette chose nous regarde. Je refuse de descendre là tant que voilà un moyen de transport idéal. Non, on ne pourra rien en tirer. Je ne peux pas m'en approcher tant que ce monstre monte la garde. Voilà un moyen de transport idéal. Cette pieuvre est à nos trousses. Je ne pensais pas qu'elles avaient une si bonne vue. La légende du rocher gluant couvert de bernache est moins connue que celle de la perle. Attention aux mains, les clams. Oh, arrêtez! Oh, arrêtez ! Où allez-vous ? Vous ne pouvez pas me laisser seul ici ! Revenez ici ! Elle revient vers nous. Au sud. Mais il n'y a rien ici au bord du monde, à part le bord.
Manny ? Me demande pas, Glottis. J'en sais rien. Filer par là et partir à la recherche de Mitch. Et si jamais cette pieuvre se pointe quand tu es parti ? Crève-lui l'œil et vole son sous-marin. Stupide pieuvre. Elle est verrouillée. Des livres d'enfants. C'est vide. Ce sandar est tellement chic qu'on y mangerait du caviar. Meche? Manny, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir où en était ta traversée, mon cœur. Je suis ton agent de voyage, n'oublie pas. En fait... merci pour la bouteille de champagne que tu m'as envoyée. Tu n'as pas loupé ton coup. Tu allais tomber dans le piège, alors j'ai essayé de t'éloigner. Domino m'utilisait comme appât et je ne voulais pas qu'on t'enferme toi aussi. Tu veux dire que tu es prisonnière ou alors que tu partages le lit du directeur? Si c'est ce que tu penses de moi, alors pourquoi es-tu venu ici? Parce qu'il travaille pour moi. Il est sous mes ordres. Je savais que tu finirais par venir. Manuel Calavera s'arrange toujours pour faire partie de l'équipe gagnante, non? J'étais sûr de le voir arriver. Je compte repartir bientôt. Et avec tous ceux que tu retiens prisonniers. Manny, on n'échappe pas à cette île. J'ai bien peur que tu sois obligé de t'intégrer à mon équipe commerciale. J'ai besoin que tu me remplaces ici. Je dois retourner en ville, c'est là que ça bouge. Désolé, Manny. Il fallait que je vienne. Je m'ennuyais tout seul dans l'eau. Pas besoin de lui. Je vais te faire regretter ça. Tu ne paies rien pour attendre. On verra ça. Mais pour l'instant, je vais te montrer ton nouveau bureau. Fais gaffe, Phoebe. Le nouveau patron se réveille. Hola, Angelitos. Je vais te mordre, croix de bois. Arrête de mordre, s'il te plaît, Pugsy. C'est pour ça qu'on nous a enfermés ici, tu te souviens? Pourquoi voulez-vous me mordre? Tu n'es qu'un méchant. Si Hurley, il dit que t'es plus méchant que lui. Il dit que tu as une scie à os. Je m'appelle Manny Cravera. Et toi, petit? Monsieur Hurley nous a parlé de toi. C'est toi qui as piégé notre métier. Pauvre métier. Je n'ai piégé personne. Monsieur Hurley devait s'occuper de Meche. Et toi, tu lui as volé l'affaire. C'est la vérité? Meche est mon ami. Demandez-lui. Elle nous a déjà parlé de toi. Quand elle prononce ton nom, elle devient si triste. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais tu vas le regretter. Qu'est-ce que vous faites dans cette cage? On fabrique des ampoules. On bosse. Et c'est pas de tout repos. Lâche-nous les baskets. Écoutez, les enfants, je suis venu vous aider. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de place ici. Tes mains sont trop grandes pour faire des ampoules. Si vous me mordez, je le dis à vos parents. Nos parents? Nos parents? Je suis venu vous aider à sortir de cette cage. Tu peux pas faire ça. On doit rester ici et prendre soin de Meche. Elle se sentirait si triste toute seule. Parfois, on l'entend pleurer dans son coin. Je suis celui qui délivrera Meche pour l'emmener loin d'ici. Quoi? Tu peux pas faire ça. Et qui va s'occuper de nous? On va rester tout seul. Je vais essayer de tout vous expliquer en détail. Mon travail, c'était de vendre des billets de voyage aux âmes en migration. Si j'en vendais assez, je pouvais quitter le pays des morts. Comme j'étais dans le pétrin, j'avais besoin d'une très grosse commission. T'es un vilain! Va-t'en, vilain
un monsieur. Ouais, fiche le camp. Mes mains ne sont pas trop grandes pour ce travail. Dans ce cas, aide-nous. C'est que je n'ai pas d'outils miniatures, voilà pourquoi. Tiens, prends mon marteau. Vous êtes deux garnements. Bien fait si vous êtes enfermés. Petite peste. Bon, on s'est remis à l'ouvrage. Quel vilain. Je ne bouge pas de meubles aujourd'hui. Pas de tiroir. Tiens, voilà mon prince charmant. Tu es revenu pour m'insulter ou veux-tu simplement un peu de glace pour ton crâne? Facile de conserver quelque chose de correct sur cette île. Ça me convient très bien. Quoi ça? La vitesse à laquelle tu travailles. Merci, Manny, mais comme tu n'es pas mon patron, je m'en fiche royalement. Bien, excellent. Continue. Aux débutants. Cet outil est un peu trop puissant pour vous. Trop puissant? Rien n'est trop puissant pour moi. Si vous le dites. Et vous, vous en avez un? J'ai les relations qu'il faut. J'avais un peu de butin à écouler. Ici, sur la barrière de corail, tout se monnaie et s'échange. Je veux échanger quelque chose. Ça tombe bien, le troc, c'est mon truc. Et que vous faudrait-il? Un pistolet. Oh, c'est dans vos moyens. Combien avez-vous? Je pense que c'est une espèce d'algue bleu-vert. Ne vous en faites pas, aussi habile. Quand vous aurez une chose valable à échanger, revenez me voir. Ça vous fera du bien. Tenez bon! Là! Yo, Pito! As-tu déjà vu un vrai piolet? Un piolet? Non, jamais! Mais ça me tenterait d'en essayer un. Dis, piolet, tu me bottes! Avec mon pote le piolet! Oh, encre rouillée!
On va voir. Pas question, je ne veux pas qu'il se rappelle que j'ai pris ça. Ah, ma faux. J'aime la tenir là où jadis battait mon cœur. On va sur le Mississippi. Épuisez-moi, c'est pas. Mais c'est de la vraie soie. Où les avez-vous trouvés? Je les porte en permanence sur moi. Vous aussi? C'est-à-dire, voici votre nouveau meilleur ami. Ah, mon premier Germinator. Il est chargé? Non. Hé, les balles sont précieuses. Oh, encre rouillée. La vitesse du dada. Laissez-moi tranquille. J'ai mes propres outils, merci. Ici qu'ils amènent le corail pour le concasser. Ou alors ce sont les plus gros et les plus affreux Big Boobies que j'ai jamais vus. Cette benne est plus lourde que mon dernier bateau.
comprends pourquoi il ne donne pas ses burins aux nouveaux. Je ne veux pas casser ça. Glottis! Tu vas bien? Je me suis fait un peu mal en tombant, mais ça m'a permis de trouver un passage. Je dois t'avouer, Glottis, que je te croyais mort. Oh, Manny, j'ai vécu quelque chose de formidable. Écoute. Aucun moteur n'est capable de résister à l'amour que savent donner ses mains. Apparemment, non. J'ai parié que ce petit bijou va nous sortir d'ici. Oh, j'y avais pas pensé! Je l'avais retapé juste pour mon plaisir, mais ton idée n'est pas mauvaise. J'ai parié que ce petit bijou va nous sortir d'ici. Oh, j'y avais pas pensé! Je l'avais retapé juste pour mon plaisir, mais ton idée n'est pas mauvaise.
réussi à le faire flotter. Oh, c'était du gâteau. Le plus dur sera de franchir cette grande barrière de corail, là-bas. Franchir la grande barrière de corail? Ok, donne-moi une minute ou deux. Alors, t'as trouvé un moyen de franchir le récif? Non, et toi? Non. Tiens, il n'y a pas de relation possible sans confiance. T'as raison. Une relation sans confiance est à peu près aussi vide qu'un revolver sans balles. Tu as oublié que les filles malines en conservent toujours sous leur chapeau. Au cas où, allez, avance. Mais tiens, mais tu ne sais pas quelle... Je sais exactement ce que je fais, alors avance! Écoute au moins, quel est mon plan d'évasion? Tu as les fifi au paradis? Laisse-nous filer, Robinson, ou ton vendredi va déguster du plan. Ça me fend le cœur de te voir partir, Manny, mais on dirait que ta souris ne rigole pas. Je n'hésiterai pas à tirer. Parfait. De toute façon, il ne travaille pas pour moi. Mais je croyais... Alors ce sera toi. Tu n'en feras rien. Tu as une âme pure, pas vrai? C'est faux. Je suis devenue mauvaise. Quand on enferme quelqu'un, il devient forcément mauvais. Je vais te briser comme un vase made in Taiwan, je vais... Chouette, cette môme. C'est un vrai volcan. Mais en général, une nuit au trou suffit à la calmer. C'est vide. Il ne semble pas se douter que je suis sur le point de m'échapper. Bugsy! Je ne pointerai plus mon revolver sur toi, promis! Ce doit être une serrure à combinaison, mais Domino, il n'y a pas de numéro. Fais-moi ce pauvre d'homme n'a jamais été doué pour les chiffres. Je ne veux pas trafiquer cette roue est mon ami. Je ne pointerai plus mon revolver sur toi, promis!
Je ne pointerai plus mon revolver sur toi, promis. Ce doit être une serrure à combinaison, mais hey, il n'y a pas de numéro. Bugsy! Domino, fais-moi sortir d'ici tout de suite! N'importe qui! J'aurais dû te faire confiance! Je commence à manquer d'elle! Domino! Fais-moi sortir d'ici tout de suite! Domino! Fais-moi sortir d'ici tout de suite! Je suis ici! Là, elle devrait s'ouvrir. Je suis ici! Je suppose que ce n'était pas la bonne combinaison. Je vais me fâcher! Ce n'est pas drôle! Je commence à manquer d'elle! Je commence à manquer d'elle! Je ne pointerai plus mon revolver sur toi, promis! Domino, fais-moi sortir d'ici tout de suite! Hey! Ouvre cette porte! Hey! Je suis ici! J'aurais dû te faire confiance! C'est moi, Medge! Ouvre cette porte! Mali, où es-tu? Ce n'est pas drôle! Oh, je pourrais crocheter ça, si seulement je n'avais pas perdu ma carte. Je commence à manquer d'elle! J'ai dû frapper un circuit important. On dirait que j'ai mis les boyaux à nu ici.
toi. Oh, et dire que je les avais si bien identifiés et tout ça. Oh, et dire que je les avais si bien identifiés et tout ça. Impossible avec mes seules mains, j'ai besoin de la roue. Et dire que je les avais si bien identifiés et tout ça. Thank you.
Je suppose que ce n'était pas la bonne combinaison. Parce que ce n'était pas la bonne combinaison. Oh, et dire que je les avais si bien identifiés et tout ça. Impossible à...